cold, cold feeling. You're just like ice around my heart. I've got a cold, cold feeling, yeah, yeah. You're just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, you treat me like a prisoner because my hands are tied. Everything you do to me is stacking up inside. It's a cold, cold feeling, yeah. Et voilà, il est de retour parmi nous. C'est le professeur Bru-Bru. Bien, mes chers étudiants, et eu égard à la reprise de l'épidémie, eh bien, on va continuer nos vidéos afin que vous ayez un support. Et je vais faire une longue série sur l'arithmétique des antiques. J'avais déjà commencé l'an dernier. Et donc là, on va essayer de tout faire, ce qui va être long. Alors, comme nous allons aujourd'hui traiter les premiers exercices, il est probable que ce soit la première vidéo que vous ayez regardée sur ce thème. L'arithmétique des entiers, c'est quelque chose de très très intéressant, généralement qui révèle un goût chez l'étudiant pour les maths ou non. Je cite la phrase de Gauss hein, qui disait que les mathématiques sont la reine des sciences, et que l'arithmétique est la reine des mathématiques. Cette feuille d'exo regorge d'exercices de tous niveaux. Il y en a des très très simples et il y en a des très sophistiqués. L'intérêt essentiel de cette feuille consiste non pas en la diversité, qui est somme toute c'est de l'arithmétique élémentaire, mais ça reste assez diverse, mais c'est surtout la présence de très très beaux énoncés, de très très belles propriétés qui sont démontrées avec de l'arithmétique élémentaire. Alors, la première séance va consister à traiter des exercices 1 à 4 qui sont consacrés à la fonction partie entière et différents calculs. On traitera dans une vidéo à part l'exercice sur le théorème de Béatine, qui est voilà un premier exemple de théorème très intéressant qu'on peut obtenir avec pas grand chose. Bien, alors, on va commencer par l'exercice 5, qui est en fait un rappel de ce que il est bon de savoir sur la partie entière. Donc on rappelle ce que c'est que la partie entière. On se place dans R, oui, donc je prends un réel, et je considère l'ensemble A de X qui est constitué des entiers relatifs qui sont inférieurs ou égaux à X. Bien. Alors, le premier point, c'est que A de X est certainement non vide. Oui. Alors pourquoi ben vous allez me dire la suite n donne moins n et tend vers moins l'infini. Bon, tout ça c'est tout à fait recevable. Si on veut vraiment le démontrer proprement, on va faire un effort pour le démontrer proprement, pour utiliser juste une propriété fondamentale de R. Bien, vous voyez que si x est positif, eh bien 0 appartient certainement à de x, qui est donc non vide. Et si x est négatif, alors moins x est positif. Oui. Et là, bah, vous allez utiliser le fait que R est archimédien. Alors ça dit quoi archimédien? Archimédien, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que quel que soit x, y appartient à R. Si vous prenez
Y qui est strictement positif. Alors, il existe un anti-n tel que ny soit strictement supérieur à x. Alors, ça a l'air complètement trivial. Hein. Il n'en demeure pas moins que ça fait partie de l'axiomatique de R. C'est une des propriétés caractéristiques. Une des propriétés de la liste des propriétés caractéristiques de R. On peut construire, hein, si on faisait un cours de théorie des ensembles où cette propriété assez naturelle qui ressemble à R, mais où cette propriété n'est pas vérifiée. Bon, je ne m'étends pas plus. Il y a juste le commentaire, c'est que, eh bien, vous prenez le moins x qui est là, et vous prenez y égale 1. Eh bien, par Archimède, il existe un entier n, tel que n soit strictement supérieur à moins x, qu'un entier naturel. Ben ça implique que moins n est strictement inférieur à x. Et donc moins n appartient à A2x. Donc vous avez montré que dans tous les cas, A2x est non nul. Alors A2x, c'est un sous-ensemble d'une partie discrète qui est z. Donc A2x est fermé topologiquement. Bien, j'ai un ensemble non vide. A2x est majoré. La partie A de x est majorée, par exemple par x. Donc le théorème de la bande sup, il dit quoi? Bien, il dit que le sup de A de x existe. Mais cette remarque-là, que A de x est un fermé, ça vous dit que le sup de A de x est un max. Il y a un plus grand élément dans la partie A de x. Et bien, par définition, le max de A de x, c'est la partie entière. Ok, donc on la note. Nous, on la notera génériquement crochet. Chez d'autres auteurs, on la note aussi parfois E de X, mais c'est un peu lourd comme notation. Bien, on va donner quelques exemples pour bien comprendre plutôt pour dissiper un éventuel malentendu qu'on explique dans les petites classes. Dans les petites classes, on explique que la partie entière, c'est le nombre sans sa partie décimale. C'est pas tout à fait juste. Alors, je donne d'abord un premier exemple. Pi, c'est 3, 14, machin. Donc, on voit que la partie entière, c'est 3. Mais vous voyez que moins pi, c'est partie entière de moins 3, 14, etc. Si vous retirez la partie décimale, vous obtenez moins 3. Mais moins 3 est supérieur à moins pi. Et donc, vous voyez que dans le cas des réels négatifs, la partie entière, ce n'est pas le nombre moins sa partie décimale au sens usuel de l'écriture. Oui. Bien. Alors, on va établir quelques propriétés. Hein, c'est ce qui vous est demandé. Alors, avant, on définit la notion, la bonne notion de partie décimale qu'on note traditionnellement accolade x, qui est par définition est x moins partie entière de x. Alors, le premier commentaire, c'est que ça vous est affirmé dans l'énoncé, mais à nouveau, il faut critiquer l'énoncé et se dire, on vous affirme que ça appartient à 0, 1. Oui. Alors, la première chose, c'est, donc il s'agit de montrer que la partie décimale est bien positive et strictement inférieure à 1. La première chose, c'est que, par définition, partie entière de x est plus petit que x, puisque partie entière de x est le plus grand entier qui est plus petit que x. Donc ça va impliquer que x moins partie entière de x est bien sûr positif. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que c'est strictement inférieur à 1? Eh bien, si on avait partie décimale supérieure ou égale à 1, ça impliquerait que x soit plus grand que partie entière de x plus 1. I. Mais partie entière de x plus 1, c'est un entier. Or, partie entière de x, c'est le plus grand entier qui est plus petit que x. Celui-là est visiblement plus grand encore et il reste plus petit que x.
Donc c'est absurde. Donc vous avez bien montré que la partie décimale, c'est quelque chose qui est compris entre 0 et 1 exclu. Ok. Alors, petit A, on va attaquer, une fois que maintenant on a une petite idée de ce que sont ces objets. Alors, il s'agit de montrer que x égale partie entière de x plus partie décimale. Ben, ça, c'est une trivialité, puisque la définition de la partie décimale, elle est encore écrite là. Oui, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est intéressant, c'est la réciproque. Je me donne n appartient à z, et je me donne d appartient à 0, 1. Et je suppose que x est égal à n plus d. Et là, je veux montrer que n est nécessairement la partie entière et d la partie décimale. C'est-à-dire que ça caractérise cette écriture avec ces conditions. Alors, pourquoi ? Eh bien, d étant positif, n est nécessairement inférieur à x. Donc ça, ça commence bien. Si n n'est pas égal à la partie entière de x, eh bien, ça veut dire que n... Si n n'est pas égal à la partie entière de x, comme la partie entière de x est plus petite que x et que n est plus petit que x, ben ça veut dire que la partie entière de x est strictement supérieure à n. Mais comme vous parlez d'entier ici, ben ça veut dire que la partie entière de x est supérieure ou égale à n plus 1. Dans les entiers, il y a des successeurs. Ok, bon, ben une fois que vous avez ça, eh bien, ça devient difficile. Pourquoi ? Bien parce que x, qui est égal à n plus d, et d est strictement inférieur à 1. Oui. Donc ça implique que n plus 1, oui, ça implique que x est strictement inférieur à n plus 1. Donc ça veut dire que bien la partie entière de x est strictement supérieure à x. Et ça, c'est absurde. Donc, conclusion, eh bien, n est un entier plus petit que x, mais il est forcément égal au plus grand entier plus petit que x, c'est-à-dire que n égale partie entière de x. Bon, et on en déduit que d qui est égal à x moins n, c'est-à-dire x moins partie entière de x, évidemment, d est la partie décimale. Ok, donc ça, c'est une première caractérisation. Hein, la partie entière est décimale. C'est l'unique entier et l'unique élément de 0, 1, 1 exclu, tel que x soit égal à cette somme. Alors, deuxième caractérisation, c'est celle qu'on utilise la plus, probablement. Il s'agit de montrer que x, hein, c'est une double inégalité dont une est stricte. Il s'agit de montrer que x est coincé largement entre sa valeur, sa partie entière, et strictement entre sa partie entière plus 1. Bon, cette première égalité, elle est évidente. Pourquoi ? Bien parce que, par définition, partie entière de x, c'est le plus grand entier plus petit que x. Alors, regarde cette deuxième-là, on va la montrer par l'absurde. Si x est supérieur ou égal à x plus 1, eh bien, vous voyez que, avec les notations que j'ai prises au départ, ça sera peut-être plus parlant, ça veut dire que x plus 1 appartient à 2x. Ben, ça, c'est absurde. Pourquoi ? Bien parce que ça, c'est strictement plus grand que partie entière de x. Alors, partie entière de x, c'est le plus grand élément. Bon, donc là, aucune difficulté non plus. Ce qui est intéressant, c'est la réciproque. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est la réciproque. Si vous avez n qui appartient à z, tel que n soit inférieur ou égal à x et strictement inférieur à n plus 1, ça va impliquer que n est la partie entière de x. Alors, pourquoi ? Eh bien, ce que je sais, c'est que... donc là, l'hypothèse, c'est que n est un entier plus petit que x, donc je sais que sa partie entière va être certainement plus grande que n. Oui. Mais si n n'est pas égal, donc si x en partie entière n'est pas égal à n, ben ça veut dire que x est strictement supérieur à n. Et à nouveau, puisque vous fonctionnez sur des entiers, ça veut dire que, x est supérieur ou égal à n plus 1. Oui. Mais n plus 1, par hypothèse, est strictement supérieur à x, et donc vous voyez que partie entière de x qui est un entier est strictement supérieur à x, ce qui est absurde, puisque ça doit être un entier plus petit.
Donc du coup, eh bien vous voyez que N est nécessairement la partie entière. Ok, le B'. C'est la même chose, c'est juste que, vous voyez, vous avez partie entière de X inférieure ou égale à X, strictement inférieure à partie entière de X plus 1. Eh bien, il suffit de soustraire par 1, et vous voyez que partie entière de X moins 1 va être inférieure ou égale à X moins 1, qui va être strictement inférieure à X. Et donc la première inégalité qu'on vous demande de démontrer, c'est, alors que je m'arrive à retrouver, c'est là, c'est celle-là, bah elle découle de... elle découle de ça, et la deuxième, bah, c'est tout simplement celle-là. Alors l'intérêt, c'est que ça permet de coincer, vous voyez, la propriété d'avant, elle coinçait x entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Là, l'intérêt, c'est que vous coincez la partie entière. Parfois, c'est intéressant d'avoir ce genre d'égalité, ce genre d'encadrement. Bien, la réciproque, dire que n est l'unique entier vérifiant x moins 1, n, etc., c'est exactement la même preuve que dans le B, donc ça, je vous laisse la traiter. Ok, alors, petit c, donc, je vais supposer que n est entier, et il s'agit de montrer que n est égal à sa part, que x est égal à sa partie entière. Ah, ça c'est une évidence, parce que la partie entière c'est le plus grand entier qui ne dépasse pas x. Bien ici, x est entier, évidemment, ça va être difficile de le dépasser. Voilà. Si la partie entière vaut x, eh bien la partie décimale vaut bien sûr 0. Alors ce qui est plus intéressant, c'est la réciproque. Alors réciproquement, si l'une des deux égalités est vérifiée, alors x est entier. Si partie entière de x égale x, comme partie entière appartient à z, x est entier, ça c'est évident. Et la deuxième, si la partie décimale est nulle, ça entraîne que x égale partie entière de x par définition de la partie décimale. Donc vous êtes revenu à l'énoncé précédent. Voilà. Donc tout ça, il n'y a pas très palpitant, c'est pas très compliqué. Petit d. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça aussi, ça fait partie des fautes fréquemment commises. Je vais prendre x réel, et en fait je suis intéressé par la partie entière de moins x. Je veux relier la partie entière de moins x à la partie entière de x. Alors je vais distinguer deux cas. Je vais commencer par le cas x entier. Alors ce que je sais, on l'a vu à la question juste avant, si x est entier, eh bien la partie entière de x, c'est x. Et la partie entière de moins x, puisque moins x est entier aussi, ça va être moins x. Et donc, vous voyez que la partie entière de moins x, c'est moins la partie entière de x. Donc, le cas entier, il est facile. C'est le cas où x n'est pas entier, qui est plus intéressant. Alors, ne pas être entier, à cause de la question précédente, c'est exactement dire que la partie décimale de x est non nulle. Oui. Et comme vous pouvez écrire x sous la forme de partie entière de x plus partie décimale de x, eh bien vous pouvez multiplier par moins 1, et donc vous avez moins x qui est égal à moins partie entière de x moins partie décimale de x. Ce qui est égal aussi à... je vais ajouter et soustraire 1. Donc je vais dire que c'est moins x moins 1 plus 1 moins partie décimale de x. Alors ça c'est un entier, et ça c'est un réel. Oui. Mais partie décimale de x, comme c'est non nul, ça appartient, ou plus exactement, c'est coincé strictement entre 1 et strictement entre 0. Et du coup, bien 1 moins cette partie-là, bien que si je multiplie par moins 1, je vais avoir moins 1 strictement inférieur à moins partie décimale, sommaire inférieur à 0. Si je rajoute 1, eh bien je vais avoir
un moins, qui est strictement inférieur à 1. Et donc ça, bah, ça implique que D appartient à 0, 1. En fait, 0 exclu, mais moi je l'inclus pour bien qu'on puisse utiliser la caractérisation, c'est laquelle? Ben, c'est la petite a, d'après le petit a. J'ai écrit ça sous la forme d'un entier plus un réel compris entre 0 et 1. Ben, ce que me dit le petit a, il me dit que cette chose-là est exactement la partie entière de moins x. Donc partie entière de moins x, c'est moins partie entière de x moins 1. Voilà. Ok. Alors, de plus en plus intéressant, petit e, on va étudier ce qu'on peut dire de la partie entière d'une somme. Alors, la partie entière d'une somme, alors, qu'est-ce que je sais? Bien, je sais que x est strictement inférieur à partie entière de x plus 1 et supérieur ou égal à partie entière de x. Même chose pour y. Oui. Si bien que si je somme, bien vous voyez que partie entière de x plus partie entière de y est inférieure à x plus y, qui est strictement inférieur à partie entière de x plus partie entière de y plus 2. Alors, est-ce que j'ai des hypothèses? Non, je n'ai aucune hypothèse et c'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Le premier point. Donc vous, on vous demande de montrer que ça, c'est plus petit que la partie entière de ça. Ben, ça, c'est le premier point, puisque ça, c'est entier. Donc si je suis un entier plus petit que ça, ben, je suis plus petit que la partie entière. Donc là, la première inégalité, elle est donnée. Oui. Ensuite, ce que je sais, par ailleurs, c'est que... Alors, ce que je sais, c'est quoi? Alors, voyons voir, professeur Brebru, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Il faudrait faire baisser le 1 ici, hein, si on veut obtenir quelque chose d'intéressant. Alors, ce que je sais, oui, pardon, c'est que x plus y est certainement strictement inférieur à x plus y, à x plus, non, j'y arrive, à partie entière de x plus y plus 1. Ça, c'est toujours la même propriété qu'ici, hein. Un réel est strictement inférieur à sa partie entière plus 1. Maintenant, ce que je sais, c'est que alors, ce que je sais, oui, voilà, j'y suis. Alors, ce que je sais, c'est que ça, ici, c'est un entier. Même chose pour ça. Oui. Comme quoi? Oui. Alors, ça peut être vu aussi. Je voudrais éviter de passer par un truc comme ça, mais bon, il faut le faire. Ça peut être vu, disais-je, la partie entière de x plus 1, c'est le plus petit entier qui soit strictement supérieur à x. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ça, c'est un entier qui est strictement supérieur à x plus y, donc il est supérieur ou égal à cet entier là
Oui. Donc ça, ça donnerait immédiatement notre résultat. Et je voudrais voir si on ne peut pas arriver directement à ça sans utiliser ce résultat-là. Oui, ça va revenir au même. Hein. Je vais avoir la même chose. Hein. On récapitule. Si je prends n appartient à z, tel que n soit strictement supérieur à x plus y, eh bien ça va impliquer que n est supérieur ou égal à partie entière de x plus y plus 1. Bon, c'est les conséquences de ce qui a été caractérisé. Donc je leur l'aurais écrit. Ici, bah, c'est le rôle de mon n. Oui. Et là, bah, j'ai partie entière de x plus y plus 1. Donc j'obtiens que partie entière de x plus y plus 1 est majorée par partie entière de x plus partie entière de y plus 2. Et là, vous voyez que je peux tuer 1, ce qui me permet d'obtenir la majoration qui était annoncée dans cet exercice. Ok, petit f. Alors ça, c'est très pratique. Je me donne m et x supérieur à 1. Et ce que je veux dénombrer, c'est le cardinal des entiers qui sont compris entre 1 et x. Oui. Alors, entre 1 et x... Non, c'est pas ça que je veux montrer, pardon. Je veux les multiples, pardon. Donc je veux calculer le cardinal de 1x intersecté avec les multiples entiers de, je vais y arriver, donc, de m. Oui. Alors déjà, vous voyez qu'ici, j'ai mz. Bon, les entiers, les multiples négatifs, ils vont pas apporter grand-chose. Hein. Donc, vous voyez que même pour 0, vous voyez que ça ne risque pas d'appartenir à ça. Donc, en fait, bien cet ensemble-là, il va avoir cette forme-là. Ça va être m, 2m, 3m, etc. Jusqu'à un certain... petit k puissance m. Que doit vérifier petit k puissance m? On va travailler sur k. Bien, vous voyez que pour que ici j'ai décrit tous les entiers. Alors c'est une suite croissante, hein, donc je peux juste m'intéresser au dernier. Il faut que k fois m soit plus petit que x. Oui. Et puis il faut que je les ai tous décrits, c'est-à-dire que l'entier suivant, ils sont mis une suite croissante ici, l'entier suivant ne soit pas dans cet ensemble-là. Donc la deuxième condition, c'est que k plus 1 m soit strictement inférieur à x. Strictement supérieur à x. Et vous voyez que ces deux équations, c'est-à-dire que km inférieur à x strictement inférieur à k plus 1 m. Ben, ce que vous faites, c'est que vous divisez par m, vous pouvez, puisque m est certainement non nul, et vous voyez que k, bien, c'est un entier qui est plus petit que x sur m et dont le successeur est strictement plus grand que k plus 1. Donc en vertu des caractérisations qu'on a données précédemment, c'est exactement dire que k est égal à x sur m. Bien, bon, bah vous revenez, et donc la question, c'est combien y en a-t-il? Bah m, 2m, 3m, 4m, si vous les comptez, 1, 2, 3, jusque k. Vous voyez qu'il y en a exactement k, c'est-à-dire partie entière de x sur m. Ok. Ah, le petit g. On continue nos investigations. Alors, ce coup-ci, j'ordonne les x, y. Oui. Alors, je vais écrire, je vais le faire tout de suite, je vais écrire x sous la forme partie entière de x plus sa partie décimale et y égale partie entière de y plus sa partie décimale.
Bien. Et on veut caractériser, alors je suppose que ces deux éléments ne sont pas entiers. On dira éventuellement un mot après. Donc, pas entier, bien on a vu que c'était équivalent à dire que la partie décimale de chacun d'eux est strictement supérieure à 0. Oui. Et on veut caractériser le fait que les parties entières soient égales par le fait que j'ai pas d'entier qui soit coincé strictement entre x et y. Alors, on veut montrer ça, c'est-à-dire on veut montrer une équivalence. On veut montrer que si j'intersecte l'intervalle ouvert xy par z, eh bien j'obtiens le vide. Oui. Alors on va montrer, donc j'ai deux implications à montrer. On va montrer la réciproque. Alors c'est plutôt le sens direct. On va montrer le sens direct par contraposé. Donc la contraposée du sens direct, c'est si ça c'est non vide, alors les parties entières sont distinctes. Donc l'hypothèse, c'est qu'il existe un entier n qui appartient à x, y. Oui, bien, ben, j'ai n qui est forcément strictement inférieur à y. Donc ça, ça veut dire que n est inférieur ou égal à partie entière de y, oui. Et maintenant j'ai n qui est strictement supérieur à x. Bien, ça, ça va impliquer que n est strictement supérieur à sa partie entière, puisque la partie entière, je vous rappelle, est plus petite que x. Oui. Ben là, ça va poser un problème, puisque, enfin, plus exactement, vous voyez que j'obtiens que x est strictement inférieur à n, qui est inférieur ou égal à y, et donc ça, ça implique que les parties entières sont distinctes. Donc on a bien montré le sens direct par contraposé. Maintenant, il faut montrer la réciproque, c'est-à-dire, je suppose que ça, c'est non vide, et forcément, si je suppose que ça, c'est vide, forcément, il y a égalité. On peut peut-être le faire à nouveau par contraposé, la réciproque. Alors on va le faire par contraposé. Donc, eh bien, on va supposer que x soit différent de y, la partie entière, mais vous avez supposé que x était plus petit que y, donc ça... Ça veut dire tout simplement que la partie entière de x est strictement inférieure à la partie entière de y. Ce que l'on peut dire aussi, c'est comme ce sont des entiers, eh bien ça veut dire que la partie entière de x est inférieure ou égale à la partie entière de y plus 1. Et oui, très bien. Et qu'est-ce que je montrais? Bien, je montrais qu'il y a un entier entre x et y. Je montrais qu'il y a un entier entre x et y. Ok. Eh bien, cet entier, qui va-t-il être? Eh bien, il va probablement être x plus 1, la partie entière de x plus 1. Donc, montrons que partie entière de x plus 1 appartient bien à x, y. Bien, c'est-à-dire, il s'agit de montrer que x est strictement inférieur à partie entière de x plus 1, qui est strictement inférieur à y. Alors, cette première inégalité, elle est évidente, c'est une propriété générale de la partie entière. Donc, la deuxième chose, c'est d'essayer de montrer ça. Oui. Alors, ce que je sais... Donc c'est là qu'on va utiliser. Pour l'instant, on n'a pas utilisé le fait qu'ils ne sont pas entiers. Hein. Donc on va peut-être utiliser cette chose-là. Et il faut que je regarde. Donc il s'agit de montrer que
c'est équivalent à montrer que y moins partie entière de x moins 1 est strictement positif. Oui. Alors, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que... Oui, je sais que... alors attendez, j'ai peur de m'être trompé quelque part. Oui, parce qu'on essaye de montrer ça. On essaye de montrer que celui-là, il est coincé entre x et y. Donc, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que... Oui, j'aurais pu essayer de montrer aussi que y... que la partie entière de y était là-dedans. Oui, ça revient au même. J'ai choisi ça. Qu'est-ce qui est plus facile? Réfléchissons. Non, c'est pas forcément plus facile. Ouais, bon. Ok. Alors, il faut partir évidemment de cette chose-là. Oui. Et dire que quoi? Oui. Alors, ce que je sais, c'est que y est strictement supérieur à sa partie entière. Pourquoi? Eh bien parce que y n'est pas entier. Oui. Donc y moins partie entière de x, c'est certainement moins 1, c'est strictement supérieur à partie entière de y moins partie entière de x moins 1. Seulement, partie entière de y moins partie entière de x, eh bien, c'est un entier, oui, c'est un entier qui est non nul, il appartient à n étoiles. Donc cet entier, il vaut au moins 1. Donc si je le retire 1, ben ça c'est supérieur ou égal à 0. Et vous avez donc montré que ça, c'était bien supérieur ou égal à 0. Et vous, vous voulez que ce soit strictement supérieur à 0, bah, c'est à nouveau le fait que donc vous venez de montrer que partie entière de x moins 1 est supérieur ou égal à 0, bien ça c'est un entier et ça ce n'est pas un entier par hypothèse. Donc la conclusion c'est que ça ne peut pas être nul. Donc c'est strictement supérieur à 0. Et conclusion, eh bien, vous avez montré qu'il y a un entier entre x et y, c'est-à-dire vous avez montré la réciproque par contraposé. Voilà, et dernière propriété, qui est celle-là très facile, mais il faut l'avoir remarqué une fois dans ses vies. Je me donne un x réel, et je me donne n un entier. Et je veux savoir ce que je peux dire de partie entière de x plus n. C'est-à-dire, quand vous prenez la partie entière d'un réel auquel vous ajoutez un entier, ben c'est juste rajouter le même entier à la partie entière. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous rappelle que la partie entière est caractérisée par cette relation-là. Oui. Et si vous ajoutez n, bien, vous voyez que vous obtenez cette chose-là, mais ça, c'est entier. Or, ben, c'est la question petit b, c'est la réciproque traitée dans la question petit b. Ça va impliquer que
partie entière de x plus n, c'est partie entière de x plus n. Donc c'est une trivialité, mais c'est bon de l'avoir. On verra tout à l'heure dans l'exercice 4 que ça va nous être utile. C'est dans l'exercice 4, oui, ça va nous être utile. Ok, voilà pour ce premier exercice. On passe maintenant à l'exercice sur les sommes. Donc je me donne n supérieur à 0 et je veux examiner la somme a priori infinie des n plus 2 puissance k sur 2 puissance k plus 1, qui est donc égal, si je détaille, c'est n plus 1 sur 2 plus n plus 2 sur 4 plus n plus 4 sur 8, etc. Alors le premier point, c'est qu'en fait cette somme est finie. Pourquoi ? Cette somme est finie, pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est une somme finie, bien qu'elle soit écrite infinie. Une somme finie, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, tout ça devient nul. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est-à-dire, j'ai pas vraiment de question de convergence de série. C'est une écriture sous forme infinie, mais la somme est finie. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que ce terme-là, c'est exactement n sur 2 puissance k plus 1, plus 1,5. Oui. Et bien vous voyez que quand k tend vers l'infini, ça tend vers 1,5. Donc il existe un rang k0, tel que, quel que soit k plus grand que k0, et bien ce rapport-là, ça va être strictement inférieur à 1. Et si c'est strictement inférieur à 1, comme c'est positif, ça va impliquer que à partir de ce k0, on pourra le calculer explicitement d'ailleurs, et bien cette chose-là vaut 0. À partir d'un certain temps, vous ne faites qu'additionner 0. Bien. Alors c'est un exercice très très simple, à condition que vous ayez répondu à l'indication. C'est essentiellement une application, en fait. Le véritable exercice, c'est l'indication, en fait. Donc l'indication, c'est montrer que, quel que soit x appartient à R, eh bien, la partie entière de 2x, c'est la partie entière de x, plus la partie entière de x plus 1,5. C'est une jolie formule, qui est un peu plus sophistiquée que l'exercice qu'on vient de faire avant. Alors on va le montrer. On va le montrer en utilisant quoi ? Eh bien en utilisant l'écriture x égale partie entière de x plus partie décimale de x. Et là on va discuter la position de partie décimale. Je vous rappelle que la partie décimale, elle vit dans 0, 1 ouvert. Ben, on va traiter le premier cas où la partie décimale, elle vit dans 0, 1 demi ouvert. Oui. Donc si je multiplie mon égalité par 2, eh bien je vois que 2x, c'est 2 partie entière de x plus 2 fois partie décimale. Ben, ça me donne un entier n, et ça me donne un réel d, mais vous voyez que comme j'ai pris partie décimale entre 0 et 1,5, quand je multiplie par 2, et ben d appartient à 0, 1 ouvert. Et d'après la caractérisation du petit a, exercice 1, vous voyez que ça implique que la partie entière de 2x est égale à 2 fois la partie entière de x. Oui. Very good. Il me reste à comprendre. Attendez, où est mon indication? Elle est là. Donc c'est deux fois la partie entière. Ok, maintenant il me reste à comprendre ce que c'est que la partie entière de x plus 1,5. Je recommence, mais ce coup-ci j'ajoute 1,5. Je recommence à partir de là. Bien, ça c'est partie entière de x plus partie décimale de x plus 1,5. Mais comme x partie entière, partie décimale appartient à 0, 1,5, vous voyez que la partie décimale plus 1,5 va appartenir à
Ah pardon, 1 demi 1, mais qui est un sous-ensemble de 0. Et donc à nouveau, ben ici je pose petit d, petit l, et bien à cause du petit a de l'exercice 1, ça veut dire que la partie entière de x plus 1 demi, c'est n. C'est n, c'est-à-dire x. Et donc du coup, et bien vous voyez que, toujours dans ce cas-là, et qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai x plus 1,5, ben, c'est 2x, à cause de ce qui est là, mais 2x, c'est partie entière de 2x à cause de ce qui est là. Donc vous avez bien montré cette égalité dans ce premier cas. Bien, il reste le deuxième cas, le cas où la partie décimale est plus grosse qu'1,5, c'est-à-dire, alors c'est un appartient ici, ça appartient à 1 demi fermé. Bien, ben, on recommence le même business. Qu'est-ce que c'est que 2x? Bien 2x, c'est 2 parties entières de x, plus 2 parties décimales de x, mais vous voyez que la partie décimale, deux fois la partie décimale de x, ça va appartenir à 1, 2. Et donc, pour le ramener, ben, j'ai tout intérêt à lui retirer 1. Donc, je commence par ajouter 1 à cette partie-là, et ensuite, je retire 1 à celle-là. Ça appartient à 0, 1, d'ailleurs. Et donc là, j'ai mon n, là, j'ai mon d, avec d qui appartient à 0, 1. Donc ça implique que la partie entière de 2x, c'est 2 fois la partie entière de x plus 1. Ok, maintenant je fais la même chose avec mon x plus 1,5. Bien, x plus 1,5, qu'est-ce que c'est? Et bien, c'est partie entière de x plus partie décimale de x plus 1,5. Mais comme la partie décimale appartient à 1,5, 1, bien, vous voyez, 1,5, 1, vous voyez que ça appartient à 1, 3,5. Oui, mais donc, bah, vous faites le même business que précédemment. Vous ajoutez 1 et vous soustrayez 1. Donc ça fait moins 1,5. Mais vous voyez que partie décimale de x moins 1,5, eh bien, si vous retirez 1,5, ça appartient à 0, pardon, 1,5. Et donc, même chose, ici vous avez n, ici vous avez d. Eh bien, vous voyez que la conclusion, c'est que la partie entière de x plus 1,5, c'est la partie entière de x plus 1. Bon, ben, dans cette situation, si vous regardez partie entière de x plus partie entière de x plus 1,5, c'est donc 2 fois partie entière de x plus 1, ça c'est ce qui vous est donné là. Et ça, c'est bien la partie entière de 2x, parce que c'est ce que nous avions trouvé là. Et donc, vous avez montré votre indication. Ben après, c'est un jeu d'enfant, pourquoi? Vive les maths. On revient à notre énoncé. Eh bien, on vous demande de calculer la somme pour k supérieur ou égal à 0 de partie entière de n sur 2 puissance k plus 1 plus 1,5. Bah, si vous utilisez le lemme, il vous dit que c'est 2 fois la partie entière de ça moins la partie entière de 2 fois ça. C'est-à-dire, donc là, prenez x, oui. Donc j'ai partie entière de x plus 1,5, c'est partie entière de 2x, moins partie entière de x. Donc si je le réécris, bah 2 fois x, ça me fait partie entière de n sur 2 puissance k, moins partie entière de x, n sur 2 puissance k plus 1. Et là, bah vous voyez apparaître une série télescopique.
voyez, si je l'écris, je commence par 0, donc j'ai n sur 2 puissance 0, moins n sur 2 puissance 1, plus, coup suivant, n sur 2 puissance 1, moins n sur 2 puissance 2, plus, etc., etc., n sur 2 puissance k, moins n sur 2 puissance k plus 1, plus 3 petits points. Ben, vous voyez que ça se télescope. Et donc, vous voyez que, de manière générale, cette somme, si je m'arrête à grand n, si je fais la somme de k égale 0 à grand n, ça va être le premier terme, c'est-à-dire la partie entière de n, moins le dernier terme, c'est-à-dire n sur 2 puissance grand n plus 1. Oui, mais pour n assez grand, ça va valoir 0, mais ça va continuer à valoir 0. Donc du coup, il va me rester grand n. Et d'où la formule. La somme, c'est juste grand n. Vous voyez, c'est quand même terrible d'avoir fait tout ce travail pour rien. Affreux. Bien, dernier exercice, alors lui il est particulièrement intéressant, je ne l'ai pas étoffé dans la partie polynomiale, mais c'est l'objet de quelque chose qui a été très bien étudié au XVIIIe siècle, qui sont liés à la notion de polynôme de Bernoulli et de nombre de Bernoulli, qui mériterait un exercice à lui tout seul, mais bon, là c'était donner une application. Le but c'était de donner une application dans le cadre des parties entières. Alors allons-y. Le propos c'est de calculer des sommes comme ça. Hein, par exemple, 1 plus 2 plus 3, etc. plus n. 1 au carré plus 2 au carré plus, etc. n au carré. Donc on introduit pour un entier A positif ou nul. On introduit la somme QA de n. C'est la somme de h égale 1 à n de h puissance 1. Vous voyez que Q1 c'est ça, Q2 c'est ça. Alors on va commencer par la plus simple d'entre toutes, c'est Q0 de n. Mais qu'est-ce que c'est Q0 de n? C'est h puissance 0. C'est-à-dire c'est la somme de 1 pour h égale 1 à n. Bah, c'est là. Tout simplement n. Donc celle-là n'est pas très violente. Ok, alors on va essayer de trouver un moyen par récurrence pour trouver la valeur de ça. Donc on se donne toujours a plus grand que 1 et on vous demande d'étudier qa plus 1 de h plus 1 moins qa de h. Bah, ça c'est très très simple. Qu'est-ce que c'est? C'est donc la somme de i égale 0, de i égale 1, pardon, à h plus 1 de i puissance a plus 1 moins la somme de i égale 1 à h de a de i. Alors, je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai un plus 1 que j'oubliais là. Bah, vous voyez que tous les termes se tuent sauf le dernier. Oui, le dernier c'est h plus 1. Et donc il va me rester h plus 1 puissance a plus 1. Et bah, là, je peux utiliser la formule du binôme. La formule du binôme, c'est me dit que ça, c'est la somme pour i égale 0 à a plus 1 de c a plus 1 i. H puissance i. Oui. Pour l'écrire plus joliment, pour accrocher l'énoncé, eh bien, je vais factoriser le dernier terme. Le dernier terme, c'est ca plus 1 plus 1, eh bien, c'est 1. Donc ça me fait bien h puissance a plus 1 plus la somme de i égale 0 à 1 de ca plus 1 i h puissance i. Bien.
Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va sommer sur H maintenant. Donc, on va faire la somme sur H égale 1 et jusque N. J'ai l'impression qu'il y a une faute d'énoncé. Il doit y avoir une faute d'énoncé quelque part. Non, non, il n'y a pas de faute d'énoncé. Donc je somme de H égale 1 à N, et je vais sommer QA plus 1 de H plus 1 fois QA plus 1 de H. Ben, ça me vaut la somme. Alors, ce terme-là. Donc j'ai H A plus 1 de H égale à N. Oui. Plus, eh bien, la somme pour H égale 1 à N de somme de I égale 0 à 1 de C A plus 1 I H puissance I. Bien, alors là, on regarde ici, ben là, on a un télescopage. Hein. Les termes se tuent 2 à 2, donc il reste le dernier terme, c'est-à-dire QA plus 1 de N moins le premier terme, QA plus 1 de 1. Ok, ça, bah, c'est très précisément. H va jusqu'à N, donc j'ai N plus 1 ici. Une petite erreur. Ça, c'est très précisément QA plus 1 de N. Oui. Et puis là, bien, vous remarquez que vous semez des. Vous semez des sommes qui peuvent se permuter, c'est des sommes finies. Voilà. Donc ça, c'est la somme de I égale 0 à A de C A plus 1 I, somme de H égale 1 à N de H puissance I. Mais là, vous reconnaissez QI de N. Et donc, eh bien, que vaut QA plus 1 de 1, ben, ça vaut 1. Donc si vous passez le QA plus 1 de N de l'autre côté, vous avez QA plus 1 de N plus 1 moins QA plus 1 de N, c'est-à-dire N plus 1 à la puissance A plus 1, moins ce terme-là qui vaut 1, qui donc est égal, pardon, à la somme de I égale 0 à 1 de CA plus 1 I QI de N. Et vous avez donc montré votre formule. Alors cette formule, eh bien, elle est très pratique pour calculer par récurrence les sommes QI. Si vous avez calculé jusqu'à, si vous connaissez Q0 de N, etc., jusqu'à QA-1 de N, bien, vous voyez que vous pouvez récupérer la somme QA. Vous avez QA de N. Alors, le QA de N va être factorisé. Donc, je vais le garder. C'est CA plus 1 A, qui sera donc N plus 1 puissance A plus 1 moins 1, moins la somme de jusqu'à A moins 1 pour I égale 0. Et donc, vous avez supposé que A-1 était supérieur à 0. Donc, si vous connaissez celle-là, ben, vous êtes capable d'exprimer ça, puis d'exprimer ça, et d'en déduire QA de N. Alors, on va illustrer ça par quelques calculs. On a commencé par calculer Q0. On va calculer Q1. Donc, je vais appliquer pour A égale 1. Eh bien, je vais avoir C de 1, c'est-à-dire 2. Donc, je vais avoir 2... Q1 de N, ça va être N plus 1 à la puissance 2, donc au carré, moins 1. Somme, alors comme A égale 1, bien, ma somme va compter qu'un seul terme, I égale 0 à 0. C'est 0, c'est 1, et donc il va me rester moins Q0 de N. Oui, ben, je vais développer tout ça. Ça me fait M carré plus 2N plus 1, moins 1. Moins n, ben, ça va me faire n carré plus n, c'est-à-dire c
c'est-à-dire rien du tout. Si, je vais le factoriser tout de suite, c'est nn plus 1. Comme j'ai un facteur 2, bien vous voyez que j'en déduis que, ça c'est bien connu, la somme des premiers entiers, eh bien c'est nn plus 1 sur 2. Ok. Alors pour le plaisir, on vous demande de faire jusqu'à 4, ce qui fait beaucoup de calculs. Alors vous pouvez le programmer hein, si vous avez envie, c'est très facile sur un ordinateur. Pour calculer successivement ces choses. Alors on va le faire à la main pour 1 égale 2. Parce que nous sommes des warriors de l'arithmétique et nous adorons ça. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, A égale 2, bien je reprends ma formule. J'ai donc C3, 2, c'est-à-dire 3. Donc, 3 fois Q2 de N, c'est N plus 1 au cube, moins 1, moins, alors, il faut que je fasse attention, je commence par 0, donc je vais avoir moins Q0 de N. Ensuite, j'ai C3, 1, c'est-à-dire 3 fois et Q1 de N. Bien, et ben je vais développer et factoriser. Oui. Alors, ça me fait, ça si je développe ça, ça me fait m cube plus 3n carré plus 3n plus 1 moins 1 moins n moins 3 demi de n plus 1. Ok, alors, qu'est-ce qui se simplifie? Les 1 se simplifient, vous voyez que je peux factoriser par n. Oui. Je peux factoriser par n, je vais factoriser par n sur 2 d'ailleurs, pour avoir un truc un peu plus joli. N sur 2, donc là, ben, je vais avoir du 2n carré, ici je vais avoir du 6n, ici je vais avoir du 3. Et là, je vais avoir du moins 3n plus 1, donc moins 3n moins 3. Non, j'ai commis une erreur quelque part. J'ai factorisé par... Ah non, pardon, parce que j'ai tout simplement oublié. J'ai 3n et n. Donc 3n moins n, ça me fait 2n. Et si je factorise, ça me fait du 4 ici. Voilà. Et donc, du coup, bien ça, ça me fait n sur 2, facteur, j'ai tout recalculé, 2n carré plus 3n plus 1. Bon, mais vous voyez que si je fais n égale moins 1, ça me fait moins 2. Ça me fait 2 plus 1, 3, moins 3, 0. C'est-à-dire que ça doit être factorisable par n plus 1, ça. Alors, n plus 1, pour obtenir 2n carré, il me faut 2n. Et ensuite, pour obtenir 1, ben, il me faut 1. Et bien, vous voyez finalement que la somme des carrés... Oui. C'est n plus 1. 2n plus 1 sur 6, parce que je divise par 3. Bon, on peut s'amuser à faire ces calculs à l'infini, mais fort heureusement, moi je suis allé programmer, parce que après il s'agit de trouver des zéros, c'est un peu pénible. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Et là, vous voyez, je suis allé préalablement, pour une fois que je prépare un exemple, je ne vais pas vous plaindre. Alors, on a Q0, Q1, Q2, on vient de le faire, et Q3, quand vous faites le calcul, vous obtenez un truc, je vous fais une petite parenthèse, on obtient n carré, n plus 1 carré sur 4, et là, on constate que c'est exactement le Q1 au carré. C'est-à-dire, vous avez cette formule, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n au carré, est égal à 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus n au cube. Vous voyez?
Il y a un côté... Oui, et tous les étudiants, tous les élèves de quatrième rêvaient de pouvoir dire que ça, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 1 au carré. Eh bien, en fait, non. On montre cette formule. Ça revient à mettre les cubes. Oui. Alors, c'est très, très étanche. On pourrait croire que c'est anecdotique. En fait, il y a des gens qui sont intéressés à ce qui était caché derrière. Derrière ça, il y a des explications un peu plus sophistiquées pour dire pourquoi est-ce que apparaît cette relation. Alors ça, c'est pour le Q3. Le Q4, il a été écrit ici. Vous voyez qu'on fait apparaître Nn plus 1, 2n plus 1 qui apparaissait pour le Q2. Et puis, apparaît un polynôme de degré 2 ici. Et si vous calculez son discriminant, vous voyez que son discriminant est strictement positif. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait factoriser cette expression. Alors on ne le fait pas, pourquoi? Bien parce qu'on souhaite garder des expressions entières, ce qui est plus joli. Si vous factorisez, je crois qu'il y a du racine de 21 qui doit apparaître quelque part. Bon, je vous laisse quand même vous entraîner à calculer au moins celui-là. Nous on a calculé Q0, Q1, Q2. Je vous laisse au moins calculer Q3, il se fait pas trop difficilement. Q4, c'est un peu plus subtil, il faut déjà avoir une idée par quoi on va factoriser pour obtenir ça. Ou alors, entraînez-vous à le programmer sur ordinateur, ce qui sera une très bonne chose. Bien, alors on passe à la partie qui nous intéresse maintenant, et qui va être assez rapide, une fois qu'on a ces polynômes. Donc la partie 2 de cet exercice... on souhaite calculer, donc on se donne n un entier non nul et on prend p un nombre premier, on verra où intervient cette hypothèse, et on souhaite calculer la somme Sn qui est la somme de k égale 1 à p moins 1 de k à la puissance 2n plus 1 sur p. Oui. Alors on va noter qi égale QI de P moins 1 avec les notations de la partie précédente. Donc Q0 c'est P moins 1, Q1 ça va être P, P moins 1 sur 2, etc. etc. Ok, alors, on vous demande de remarquer que Sn c'est aussi la somme de K égale 1 à P moins 1 de P moins K à la puissance 2n plus 1 sur p. Alors comment est-ce qu'on fait cette chose-là? Bien, il suffit de faire le changement d'indice k' égale p moins k dans cette somme et vous obtenez exactement celle-là. Vous faites croître ici k de 1 à p moins 1 et ici vous faites décroître p moins k de p moins 1 à 1. C'est juste se mettre dans l'autre sens. Donc ça, c'est juste changement d'indice là. Alors l'intérêt, eh bien, c'est qu'on peut utiliser une formule du binôme ici. Donc j'ai p moins k à la puissance 2n plus 1 qui va être égal à la somme pour i égale 0 à 2n plus 1 de c 2n plus 1 fois p puissance 2n plus 1 moins i fois moins k à la puissance pi. Et ben c'est formidable. Oui, c'est formidable. Ça, je le garde de côté. Alors, la remarque, c'est que... Donc ici, vous n'avez évidemment que des entiers, on ne se met que des entiers. Mais la remarque, c'est que cet exposant, il est toujours plus grand que 1, sauf dans un cas, c'est le cas i égale 2n plus 1. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est de diviser par p cette quantité. Donc si je la divise par p, j'ai un facteur 1 sur p, vous voyez que je vais pouvoir simplifier ici, sauf pour i égale 2n plus 1. Donc je vais l'isoler. Et donc je vais écrire que p moins k à la puissance 2n plus 1 sur p, c'est la somme de i égale 0, et j'isole mon dernier terme, ah, je garde la feuille là, c'est bien, c'est 2n plus 1 i, alors le moins 1 je vais le sortir, moins 1 puissance i, j'ai p puissance 2n moins i, k puissance i.
plus, et puis le terme qui me manque, c'est-à-dire le terme qui fait i égale 2n plus 1, eh bien, vous voyez que c'est 2n plus 1, 2n plus 1, c'est 1, j'ai moins 1 puissance 2n plus 1, 2n plus 1 étant impair, c'est-à-dire j'ai un signe moins, donc j'ai moins k à la puissance 2n plus 1 sur p. Oui. Bon, bien la remarque, c'est que ça, c'est un entier. Oui. Et si j'utilise le petit h de l'exercice 1, eh bien vous voyez que j'ai un entier plus un réel. Je vais avoir la chose suivante. Ça va être égal à 7 entiers, donc ça je n'y touche pas. Plus la partie entière de moins k sur 2n plus 1 p. Oui. Bien. Là, on en est arrivé à essayer de comprendre ce que c'est que la partie entière de moins quelque chose. Et on a montré, c'est le petit d de l'exercice 1, que la partie entière de moins x, c'est moins la partie entière de x moins 1 si x n'est pas entier. Alors c'est là qu'on va utiliser le fait que p est un nombre premier, c'est ici que ça intervient, c'est que k il est réputé inférieur ou égal à p moins 1. Oui, donc k est premier avec p, donc ça implique que k 2 puissance n plus 1 est premier avec p. P ne peut pas diviser K. Et donc ça implique que K sur 2 puissance n plus 1 n'est pas entier. Et donc du coup, eh bien, vous voyez que ça va être moins la partie entière de ça, moins 1. Si je la passe de l'autre côté, je vais donc obtenir que K sur 2n plus 1 sur P plus P moins K, 2n plus 1 sur P, va être égal à moins 1 plus la somme de I égale 0 à 2n, de moins 1 puissance I, c'est 2n plus 1, P puissance 2n moins I, K. Et maintenant, ce que je vais faire, vous vous y attendez tous, je vais sommer tout ça en K. Donc si je somme en K, donc je somme de K égale 1, AP moins 1, donc je vais avoir cette somme-là, qui va être égale à somme de K égale 1 AP moins 1 de moins 1, c'est-à-dire moins P moins 1, plus la somme de K égale 1 AP moins 1 de cette somme-là. Oui. Mais la somme de somme, c'est somme de ça plus somme de ça, mais somme de ça c'est SN, et on a vu que somme de ça c'était SN, donc ça me fait 2 fois SN, qui doit être égal à 1 moins p plus, mais cette somme je peux la permuter avec celle-là, c'est-à-dire je vais avoir somme de i égale 0 à 2n de moins 1 puissance i c'est 2n plus 1 i p puissance 2n moins i somme de k égale 1 à p moins 1 de ki, mais cette dernière chose là c'est exactement qi, et vous obtenez la formule désiré. Alors faisons les calculs, puisqu'on a tout. On a j'ai ma somme ici. Et ben faisons les calculs. On va commencer par S0. Donc si j'applique ma formule, je vois que 2 fois S0, c'est 1 moins p plus la somme de i égale 0 à 0 de blablabla bla 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 bla. Donc j'ai juste i égale 0, ça me fait moins 1 puissance 0, 0, c'est 2n plus 1, 0, 0, p puissance 0, donc il va me rester q0. Mais q0, qu'est-ce que c'est?
Q0, c'est Q0 de P-1, c'est-à-dire P-1. Donc vous voyez, 1 moins P plus P-1, ben, ça vaut 0. Donc S de 0 est nul. Alors on peut le comprendre très facilement, pourquoi ? Bien parce que, qu'est-ce que c'est que S de 0 ? C'est la somme pour K égale 1 à P-1 de K sur P. Ben oui, mais K étant strictement plus petit que P, chacune de ces termes-là vaut 0, donc la somme est bien. Ok, je calcule, quelle heure est-il ? 1h11, moins le quart. Ouais, les vidéos commencent à durer, je sens que vous abandonnez. On va quand même calculer S1 pour le plaisir, à la main, et éventuellement, je vous laisserai calculer S2. C'est juste du calcul. Alors, on va calculer S1, 2S1, c'est 1 moins P plus, alors, somme de I égale 0 à 2, de moins 1 puissance I, c'est 3I, P puissance 2 moins I, QI. QI. Et oui, c'est good. Donc ça, ça me fait 1 moins P. Alors, I égale 0. Ça me fait P2 fois Q0. I égale 1, ça me fait 1 moins. C3, 1, c'est 3. 3P, Q1. I égale 2, ça me fait 1 plus. C3, 2, c'est 3. 3 P puissance 0, ça disparaît, Q2. Bon, alors ensuite, on va récolter les valeurs. Alors, Q0, donc ça, ça me fait 1 moins P, plus Q0, on a dit que c'était P-1. Donc ça me fait P carré, P-1, moins 3P Q1, c'est P-1 sur 2. Et ensuite, Q2, il est là, il ne faut pas que je me trompe, plus, alors, 3 fois 1 sixième, c'est 1 demi, de P-1 de P-1. Bon. Alors, tout ça va certainement se simplifier. Par quoi je peux factoriser? Vous voyez que je peux factoriser par P-1, ici. Alors, ça me fait P-1. Alors, je vais même factoriser par... Non, je vais me garder pour l'instant, parce que je me perds. Donc ça, ça me fait moins 1, plus P2, moins 3 demi de P carré, plus 1 demi de P de P-1. Alors, j'ai envie de tout développer. Allez, hop. Ça me fatigue. Voilà. Je suis fatigué. Alors, P carré moins 3,5 de P carré, ça me fait moins 1 demi. De P carré plus P carré moins 1,5 de P. Oui. Alors, parce que si je vais y aller, je vais factoriser par 2. Alors, ça me fait moins 2. Alors, et P carré moins 1,5 de P carré, c'est 1,5 de P carré, qui est factorisé par 2, donc ça me fait P carré, et moins P. Et ben même si c'est décevant, il y a peut-être des fautes de... Mais je suis fatigué. Voilà, on est assez. On est trop fait. Voilà. Donc moi, je trouve un truc comme ça. Alors, quand même, je vais vous montrer comment on travaille proprement. On va tester les premières valeurs. Comme ça, on sera fixé. On va par exemple prendre P égale 2.
Donc S2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, S2, c'est... Alors, j'en suis à n égale 1, c'est-à-dire les puissances, c'est des cubes. Oui. Donc, je prends 1 au cube sur 2, plus... Ben, c'est tout. J'avais pas vu que c'était factorisable par c'est formidable, donc ça fait bien 0 parce que 2 est racine, 2 puissance 2 ça fait 4, moins 2, moins 2, 0, donc en fait je peux factoriser par p moins 2 et p moins 2, il va me rester p plus 1. Donc on voit que P égale 2, effectivement, me donne 0, donc c'est bon. On va prendre P égale 3 pour vérifier. Donc c'est pas S, je me trompe, c'est S1. Voilà, S1, mais je change de P. Donc j'ai 1 tiers plus 2 puissance 3 sur 3. Alors, ça me fait 1 tiers 0 en partie entière, 8. 2 puissance 3 c'est 8, 8 divisé par 3 en partie entière ça me donnait 2, donc j'ai S1 qui doit être égal à 2 et maintenant tonton P égale 3, donc ça me fait 2 fois 1 fois 4 divisé par 2, ça me fait 4, donc il y a une erreur quelque part. Donc on s'est trompé. Ben, je vous laisse le... comme je suis fatigué, j'en ai assez. Je vous laisse recorriger, c'est juste du calcul, voilà, recorriger les trucs, et vous trouverez probablement où j'ai commis l'erreur, et je vérifie quand même, est-ce que les... K égale 1, ensuite 2, oui c'est ça, je m'arrête à 2, 8, ben oui. On a envie de dire qu'il manque un truc divisé par un 2. Eh bien, je vous laisse vous débrouiller. Voilà, mes chers étudiants. Je vous dis à bientôt. On se revoit très prochainement pour Beati, qui est un magnifique théorème. Voilà. À bientôt. Bye bye.